a compris que pas mal de jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs, n'avaient pas le moyen de garantie collatérale, comme on dit. Donc, c'est ça qu'on a commencé à chercher, la collaboration de la FSA. La concrétisation de cette signature va pleinement bénéficier à tous les entrepreneurs qui ont besoin d'un financement auprès de la DBM pour pouvoir démarrer leurs activités. Je crois que déjà là, avec cette fourchette de 10 millions de dollars que la FSA va mettre à notre disposition, ça va booster la demande auprès de la DBM. Le Fonds de solidarité africain est une institution internationale de financement du développement. Vous voyez bien la convergence de nos vocations respectives à financer le développement, avec l'avantage pour le Fonds de solidarité africain de bénéficier des expériences dans les autres pays membres et de faire bénéficier à Maurice ces dites expériences. Nous allons aider les entreprises mauriciennes qui doivent être créées à être effectivement créées. Nous allons les aider à acquérir leurs investissements, leurs équipements. Nous allons les aider à avoir les matières premières leur permettant de démarrer leurs activités. Nous allons accompagner les entreprises existantes déjà à se moderniser, à se perfectionner ou à augmenter leur capacité productive. Nous sommes prêts également à accompagner, naturellement en tandem avec la Banque de développement de Maurice, à aider les entreprises mauriciennes à exporter, que le marché national n'est pas suffisant pour pouvoir absorber toute la production des unités industrielles, artisanales et agricoles de Maurice. Il vous faut nécessairement exporter. Nous serons également prêts à aider les investisseurs mauriciens qui voudraient s'installer dans d'autres pays, notamment les zones économiques préférentielles au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à la faveur de la MAF, la Mauritius African Fund. Nous sommes prêts à les accompagner pour s'installer en Afrique de l'Ouest et conquérir tout le marché de l'Afrique de l'Ouest.